Bonjour les Shakers, bienvenue dans la série de vidéos « Je débute sur Notion ». Mon objectif à la fin de cette série est de construire un planificateur de voyage qui me permette de préparer mon voyage, créer un agenda de la journée de tout ce qu'il y a à faire, suivre mon budget et prendre des notes sur mes expériences. Je vous propose de construire ensemble ce planificateur et dans chaque vidéo, je vous expliquerai une ou quelques fonctionnalités fondamentales de Notion. Alors allons-y! Pour chaque voyage, on voudrait dans notre planificateur avoir une checklist des affaires qu'on voudrait emporter dans notre séjour. Je vais dans la page « Dans ma valise » et on sait qu'on n'a pas toujours la même checklist en fonction du contexte, des saisons, des activités qu'on va faire pendant le voyage. Donc on va créer ce qu'on appelle des « template buttons » qui sont des boutons qui génèrent dans une même page un modèle de contenu prédéfini. Ça peut être une checklist, une image, ou n'importe quel bloc que vous voulez reproduire à chaque fois sans avoir à copier-coller d'une page existante par exemple. On utilise le raccourci slash template et on choisit template button en tapant sur la touche entrée. Ensuite, vous pouvez choisir le nom de votre bouton et les blocs que vous voulez y mettre. Par exemple, moi je vais créer un bouton randonnée et mettre une liste de choses que je voudrais apporter sous forme de checklist, comme par exemple chaussures de randonnée, coupe-vent, crème solaire. J'appuie ensuite sur Close. À chaque fois que je clique sur ce bouton, une nouvelle checklist est générée et je peux cliquer dessus autant de fois que je veux. Pour modifier un template button existant, vous rapprochez votre souris du bouton, vous cliquez sur l'icône Configure Template, vous modifiez le contenu de votre bouton et vous appuyez sur Close. Voilà, vous savez l'essentiel sur les template buttons dans Notion. On arrive à la fin de cette série « Je débute dans Notion ». Vous êtes maintenant équipé pour recréer ce planificateur sereinement. Vous pouvez aussi obtenir ce planificateur déjà configuré en cliquant dans le lien de la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et les autres de la série, et à très bientôt sur Management Shakers.